Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Méditerranée. Nous allons beaucoup parler des engagements des Européens face à Daesh, de Daesh, et nous ferons un peu le premier bilan de cette COP21 dont on a beaucoup parlé, dont Marcel Barbero va nous dire ce qu'il en pense. Tout d'abord, avec Jean-François Coustière, nous allons voir si les pays engagés contre Daesh ne font pas preuve parfois d'une certaine ambiguïté. Alors, si on fait le tour des pays plus particulièrement concernés par cette affaire, moi je pense que la Russie n'est pas ambiguë. Elle est claire, elle est nette. Que ça nous plaise ou non, la Russie annonce très clairement qu'elle défend ses intérêts stratégiques, que dans ses intérêts stratégiques, il y a Bachar el-Assad, et que pour elle, tout ce qui s'oppose à Bachar el-Assad leur nuit. Donc, il n'est pas question pour elle de privilégier l'attaque contre Daesh ou d'écarter les autres mouvements terroristes. Elle, ce qu'elle veut, c'est le règlement de la question avec le soutien de la Syrie et, si possible aussi, sans doute, avec l'aide de l'Iran. Il n'est pas question pour la Russie de mettre un préalable du type qu'on a pu entendre de l'élimination avant tout règlement de M. Bachar el-Assad. Plus ambiguë est la Turquie, membre de l'OTAN, associée d'une certaine façon à la coalition, au moins verbalement, qui, chaque fois qu'elle agit, semble agir non pas contre Daesh, mais en collaboration avec Daesh. Vous avez entendu parler des problèmes d'approvisionnement pétrolier dans lesquels M. Erdogan, la famille de M. Erdogan serait impliquée. La Turquie a facilité le renfort en hommes à travers son territoire vers Daesh. La Turquie, ce matin même, j'apprenais, vient de se faire tacler par les gouvernements irakiens parce qu'elle a mis en place des forces turques en Irak pour former des milices sans l'autorisation du gouvernement irakien. Donc la Turquie joue entre son appartenance à l'OTAN, sa coordination avec les forces de l'OTAN contre Daesh, la désignation de Daesh comme un ennemi prioritaire, et puis, dans la réalité, une force, un soutien, une coordination avec Daesh et la facilitation des renforts de Daesh. Pourquoi? Ben essentiellement parce que le problème numéro un, et je dirais presque seul, de la Turquie, c'est d'éviter que les Kurdes prennent de l'ampleur, que les Kurdes puissent, à l'issue de ce conflit, réclamer, revendiquer un espace territorial kurde qui, évidemment, empiéterait, ou si ce n'est empiéterait, confisquerait une partie de l'État turc pour être construit. Donc il n'en est pas question. Et le but prioritaire de la Turquie, c'est de rabaisser les ambitions des Kurdes. Les Européens sont complètement divisés, disséminés, n'ont pas d'objectif commun, et globalement ont une attitude qui fait qu'ils ont de très grandes craintes de s'engager dans cette affaire face aux répercussions qu'il pourrait être sur leur territoire. Et d'autre part, dans cette coalition, notamment depuis le 13 novembre, soutenue par la France, les pays européens, au-delà de leurs déclarations politiques verbales, ne sont pas toujours parfaitement d'accord avec la position de la France, qu'ils jugent intempestive et trop risquée, et ne sont pas disposés à s'engager fortement, militairement, aux côtés de la France. La Grande-Bretagne et l'Allemagne ont fait des gestes de soutien militaire appréciés par le gouvernement français, notamment pour les Britanniques, complément de la force aérienne, et pour les Allemands, oui, aussi, mais on se rend compte que c'est délivré avec mesure.
Les Américains, eux, sont dans une situation où leurs objectifs ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Les Américains sont très liés aux intérêts saoudiens et qataris. Les intérêts saoudiens et qataris sont essentiellement d'empêcher l'Iran de se renforcer dans cette région. Et donc les Américains suivent sur cette voie, lutte contre Bachar, mais surtout lutte contre tout ce qui pourrait renforcer la position chiite dans cette région. Donc on voit bien que là aussi, l'attitude vis-à-vis de Daesh est probablement celle face à un ennemi, mais un ennemi qu'il convient non pas de détruire peut-être, mais probablement de réduire pour éviter qu'il prenne une position dominante après le conflit dans la région et qu'il devienne un acteur qui puisse faire de l'ombre aux autres acteurs de la région arabo-sunnite qui sont des alliés très proches des États-Unis et que les États-Unis ne voudraient pas voir mis en difficulté par des acteurs sunnites concurrents. Nous restons sur la même thématique et avec Pierre Ivora, nous nous posons la question. Est-ce que l'économie est la ressource principale, la motivation, le moteur de Daesh? Ou est-ce qu'il faut voir un peu ailleurs? Détrompez-vous. Il y a aussi une dimension économique dans ce qui arrive dans cette région. C'est une région qui est, à l'heure actuelle, déstabilisée pour partie par la crise du capitalisme à l'échelle régionale et internationale. Le prix du pétrole, du baril de pétrole, a baissé de 60% en l'espace d'un an. Ça déstabilise tous les modèles économiques de pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais aussi de pays comme l'Irak. Et derrière ces interventions de puissances régionales, comme l'Arabie Saoudite, comme la Turquie, mais aussi de puissances internationales, comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, derrière ces interventions, il y a aussi la volonté des objectifs géostratégiques. Il y a la Russie aussi qui a ses propres motivations, qui veut préserver son accès à la Méditerranée. Et il y a donc des ambitions, qu'on peut dire, impérialistes de différentes puissances régionales et internationales qui nourrissent directement ou indirectement Daesh. On ne peut pas comprendre que Daesh puisse avoir cette puissance, même si elle est relative, mais elle puisse avoir cette puissance si derrière il n'y a pas l'intervention de puissances régionales comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, et des raisons qui expliquent la montée en puissance et la nocivité de Daesh. Donc l'aspect religieux est à considérer, mais au second plan. Non, pas forcément. Les choses, je ne mets pas de hiérarchie, mais l'aspect religieux compte. Notamment, bon, si Daesh a un appui populaire relatif dans les populations sunnites, c'est aussi parce que la place des sunnites n'est pas reconnue en Irak, où il y a un gouvernement chiite qui fait tout pour marginaliser les populations sunnites. Mais il y a aussi ces interventions de puissance régionale et internationale qui expliquent, qui soit soutiennent Daesh, soit la combattent, mais en la combattant, on lui donne une légitimité auprès de populations qui sont elles-mêmes opprimées et en difficulté. Et maintenant, sans transition aucune, nous rejoignons Marcel Barbero pour tirer les premières conclusions de la COP21. Je pense qu'on doit reconnaître que la COP est un succès diplomatique de la France
à la fois du ministère des Affaires étrangères qu'il a piloté, du président de la République et également de son porte-parole, Nicolas Hulot, qui se sont investis sans compter durant 3 années pour convaincre et vaincre finalement cette conférence de Paris qui a amené, il ne faut pas l'oublier, 175 chefs d'État qui sont venus prendre des positions en faveur de l'arrêt de ces changements climatiques qui s'accélèrent. Et si ce sont des positions, ce ne sont pas forcément des engagements contraints. Cet aspect-là doit être souligné au même titre que les résultats de la grande négociation qui en a résulté, qui sont des résultats positifs, parce qu'il y a à la fois dans cette conférence les paléopollueurs, au titre desquels l'Europe, les États-Unis ont participé largement depuis l'ère industrielle. Il y a les néopollueurs avec l'émergence de la Chine, de pays comme l'Afrique du Sud, de pays comme le Brésil, qui nonobstant font des efforts très importants pour parvenir à des résultats. Et puis il y a aussi, ne l'oublions pas, la grande masse des peuples en développement qui, d'un côté, ont des besoins de développer leur énergie et donc leur développement et l'amélioration de leur productivité et donc de leur niveau de vie, et de l'autre, des pays qui vivent encore d'une manière très traditionnelle et qui ont besoin, notamment en Amazonie, notamment sur Bornéo, notamment dans certains coins plus restreints de l'Afrique comme au Congo, qui ont besoin des ressources naturelles pour préserver à la fois, d'une part, leur tradition et d'autre part, leur source de nourriture. Le fait que l'ensemble de ces pays soit arrivé à Paris à signer un accord avec finalement les échelles de richesse qui les séparent, je pense que c'est pour la France une reconnaissance très importante de tous les efforts qui ont été faits. Bien sûr, on trouvera toujours des mécontents, les ONG, des impatients qui voudraient que les choses aillent plus vite, mais le fait que dans cette COP, on ait pris la décision de réviser tous les 5 ans l'état des quotas CO2 émis par les différents pays est quelque chose de très positif, en même temps aussi que les processus financiers qui devraient normalement les engager. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années.